Eh bien, yo tout le monde, c'est Fun Guys avec Quentin. Toujours là. Pour le chapitre 7. Donc, chapitre 6, c'était fini sur. Sur Balam. Willem qui tue H. Quand H et Chris jouent à la roulette russe. N'aie pas peur, ça va bien, pleure pas, ça va bien se passer. C'est pas vraiment une roulette russe, disons. C'était plutôt le psychopathe qui a dit soit c'est H, soit c'est toi. C'était. Sauf que Willem, nous n'avons pas pris la décision. Et il a tué. Et il a appuyé quoi. Parce que donc, moi je voulais que Chris il se suicide quoi. Enfoiré, ça se fait pas. Non, c'est vrai. Non, mais oui, mais. Ouais, mais ouais. On l'a déjà sauvé. Mmh. En tuant Josh. Mmh. Donc. Mais. On ne sait pas si elle est vraiment morte. En principe. Mais je te rappelle qu'il y a eu un écran noir au moment où il a tiré. C'est vrai. Donc on ne sait pas. Vrai. Car il y a les trucs au-dessus aussi. Hein. Mmh. Parce que ça va tomber sur Chris, on ne sait pas. Bref. Et ben. Comme dans tous les chapitres précédents, on va voir le précédemment dans Ultimate Down. Wow, c'est bizarre. Hey, merde quoi. Ah oh, hey. Sam. Oh non. Chris, le choix t'appartient. Allô. Merci, on a besoin d'aide, s'il vous plaît. Oh, oh putain. Chapitre 7. Chapitre 7, c'est parti. C'est qui ? C'est Sam. Sam. C'est ma petite Sam, tiens. 4h. Oh, 4h jusqu'à là. Sam. Hein ? Debout. Mike, est-ce que c'est toi ? Chut. Quoi ? Quoi ? Viens par ici. Alors, est-ce qu'elle rêve ou est-ce que c'est. Non, je crois que c'est réel. Oui, c'est réel. Ah, ouais. Ah non, c'est réel, c'est réel. Ouais, c'est réel. Non, les dents, on s'en fout. Ouais, curieuse, ouais, curieuse, curieuse, curieuse. Je comprends pas comment t'es arrivé. Comment tu m'as trouvé? J'ai un putain de psychopathe ici, dans la montagne. Ouais, j'ai remarqué. Évite ton scan. Réseau de tunnel, j'étais en bas à essayer de sortir. Puis il y avait cette grille et je t'ai vu. Écoute, ce gars dont tu viens de me parler, il m'a attaqué. Il m'a montré ses vidéos. Et sur l'une d'entre elles, il y a Josh qui se fait tuer. Genre. Il y a une porte là. Bah oui. Elle s'ouvre pas. Tu peux l'ouvrir de ton côté. Oula. Ah, il y a deux portes. Mais l'autre, je pense que tu peux pas la prendre. Ah, non, Josh, il est par là. Ah, il est Mike, là. Il est par là. Mais. Oh putain. Putain, tu fais peur à voir. Sympa, toi aussi. On va s'habiller. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois, après réflexion, la serviette, c'était pas la meilleure tenue pour combattre des tueurs psychopathes. Ouais, on va s'habiller. Tonto. Mike, tu permets? Non, oh, oui. oui. Pardon. Regarde-le. Je suis sûr qu'il a une envie folle de se retourner. Ouais, ouais, bah c'est obligé. Merci à Lucas. Okay, en tenue de sport. Ah ouais. Faut qu'on passe à autre chose. Entièrement d'accord. C'était quoi? J'aime quand elle est habillée. C'est. C'était une fille. Attends. Qui pleure. C'était Chris. Non. Voilà. Ah super. Je l'avais dit. Génial, génial. Non. Dégage. Je te l'avais dit, non? Ah, Chris.
Oh, Chris. Ils sont tous les quatre ensemble. Tu as déjà entendu parler des balablans? Non, sérieusement. Balablans. Non! Quoi? Attends, quoi? Mais what? C'est Josh! Et elle est pas morte, elle. Oh putain! Oh, mais c'est quoi ces conneries? Mais what? Oh la vache! Je vais me dire, c'était. Ça se trouve, Matt, il est pas mort, mais les deux qui sont morts, bizarrement, ça se trouve, ça va être les deux tueurs. Ah, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Il s'est fait. Oh le bâtard, quoi. Mais what? Oh, l'histoire prend une tournure, les gens. Il se venge parce que c'est à cause des autres que ses sœurs sont mortes. Oh putain, je me fais peur en forêt. Par contre, Matt, c'est sûr, il est mort. Imagine, c'était un faux Matt et. Ouais, d'accord. Bah, il s'est fait couper en deux, Josh. Explique-moi. Ah ouais. C'est bizarre. Putain, mais what? Alors là, les gens, nous sommes choqués. Nous sommes outrés. Dans ce haut. Oh putain, elle est sérieuse ou quoi? C'est bon, on s'en bat les couilles, là, t'es... Voilà. Ça, c'est cool. Ah, je m'en remets pas, là. Franchement, c'est... Ça... Non, ça prend une... Le jeu prend une... Ah oui, le jeu prend une tournure, là, mais vraiment... Mais c'était qui, alors, celui qui est mort? À la place de Josh? Ouais. C'était trop bien. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, les gens, là, on est perdus, là, mais... On est complètement perdus. Je pense que vous aussi. En fait, j'étais monté pour voir s'il y avait un truc sans ouvrir la porte, bien sûr. Et en fait, je remarque qu'on l'ouvre comme ça. C'est de la pure chatte. Je te jure. T'es sûr que tu veux pas aller voir vite fait là-bas? T'as raison. Au cas où, on sait jamais. En direct? Ouais. Va voir au cas où si ce qui se passe là-bas, on sait jamais. On s'en doute. Voilà. C'est le tueur. Vite, casse-toi. C'est une échelle pour monter en haut. Ouais. Le feu venait d'en haut, Lucas. Ouais, mais moi, je suis un mec. Je suis un fou. Pardon? Quand il y avait l'orage dans la prochaine. la dernière vidéo, là. Malade. Et toi, maintenant, t'es comme une conne, tu vas rester là. Et c'est là qu'il renferme la terre. Ça, par contre, c'est une mort. C'est atroce. Oh, on va se prendre en selfie, n'empêche. Non, toi, c'est des squelettes. Oh merde. Mais attends, tu viens de subir ce que tu viens de subir et tu vois des squelettes. C'est vrai. Je peux te dire vrai. Que. Elle boite plus, hein? Non. C'est quoi, ouais. C'est ouais. T'as tout à fait raison. Ça, c'est quoi ça? Je suppose que je dois aller là. Oh, putain. Ah, l'échelle. Ok. Grimper ou sauter? Grimper. Saute. Saute. Bon, allez, saute, saute. Allez, on est fou. Saute. Allez, prépare-toi à appuyer au cas où. Ouais. Ça, on le sait maintenant. Ça, on le sait. Regarde. C'est une athlète. Putain, franchement. Il a attraction. Bim. Allez. Okay. Les sièges, je la sens mal. Qu'est-ce que c'est? Allez, putain. Ok, j'ai merde. Une merde. Oh non. Ah, je m'en doutais. Oh non. Merde. T'as pas un chargeur externe? J'avoue. Le courage qu'ils ont dans ce putain de jeu, je te jure.
Moi, avec tout ce qui s'est passé là, j'en fais une crise cardiaque. Non mais juste, déjà, Anna et Bess, elles disparaissent, moi je ne reviens plus dans le chalet. Hein. C'est, déjà, c'est clair et net. C'est... Totem. Ouais, totem. Rouge, non? Ah non, je sais pas. Marron ou rouge, je sais pas quoi. Noir. Pas noir. C'était Mike. Hein. Totem de danger. C'était Mike? Ouais, c'était Mike. C'était Mike, et il y avait un bras qui sortait du mur. Ouais. Bah, un esprit. Putain, ça c'est chaud, ça. Et là, Matt vivant. Matt! Ah où là? Bah là on est dans la crotte. Et puis là, là il est plus. Oula, oh, il y a deux trucs là. Oui. Trois même. Ah ouais. Quatre même. Ah voyons, bah, calmez-vous. Eh hey, doucement. Mais elle est disparue. Ah non. Charmant. Danger, c'est mon putain de surnom. Sincèrement? Bah les couilles. Oh, Anna. C'est, ouais, c'est Anna. C'est bizarre que les photos soient là, tu trouves pas? Est-ce qu'elles n'ont pas été mises là justement pour qu'on les... Pour Josh? Par Josh? Ouais. Oh non! Oh non! Ces lunettes de qui? Anna! Anna! Ah putain oui! Ah non non, il n'y a pas moyen, on arrête de jouer hein! L'esprit d'Anna est baisse. Mais c'est quoi ces conneries? Et maintenant la pocarte danger, c'est pas quand Anna et Bess elles sont tombées? Si? Si, si! Tout est relié à Anna. Tout est relié à Anna là. Ça va être l'autre morceau du truc, non? Leur tombe! Ah, c'est. Et ça. Donc, ça, c'est. C'est un petit bouton de. Oh, un collier, un pendentif. Ah, voilà, oh. Je m'en doutais. Ah, oh, elle était ici. C'est quoi cette musique là? Oh putain! C'est une poupée, c'est une poupée, c'est rien, c'est rien. C'est le bonnet. Alors là, vous pouvez regarder nos têtes, mais c'était Bess! Ouais, ouais, c'était Bess, hein. Mais what? Ouais, ce chapitre-là, mais c'est un truc de ouf! Mais qui les a emmenés ici? Ouais. Bon bah Bess elle est morte là. Qui les a emmenés ici? Ouais. Bess elle est morte, mais Anna. Qui les a emmenés ici? Elles étaient. Un an après tu retrouves son corps normal et sa tête tombée. Pose-toi des questions. Hein. Ah va allumer ça, allume, allume. Sorti. Bien, bien, bien. Alors, qu'est-ce que ça fait, hein? Qu'est-ce que ça fait? Ça vous a plu d'être terrorisé, humilié et même paniqué?
toutes ces émotions que mes sœurs ont dû ressentir il y a un an. Et devinez quoi? Elles pourront pas en rire, elles! Non! Parce qu'elles sont mortes! Ouais, je sais pas si t'as remarqué, Josh, mais ça fait rire personne, là. Allez, faites pas cette tête-là. C'est bon d'avoir le cœur qui s'emballe de temps en temps, non? Et ils sont bien emballés, tous vos petits cœurs. Boum boum, boum boum. J'espère que vous avez apprécié mon petit spectacle fantasmagorique. Avec chaque petit détail, pas d'opportunité ratée. C'était tellement un plaisir de pouvoir jouer marionnettiste de toute cette panique, pas de problème. Et tout ce sang? Le sang, c'était un festival faux cadavre. En plus, ces conneries, c'est super cher. Ils sont ratés. Non. Tout en une seule prise. Ouais, très très fort. Oh, vous auriez dû voir. Très fort. Je sais tes matchs. Vous avez totalement gobé. Josh, pourquoi tu fais tout ça? Demande même pas à cette espèce de petit con. Sauf qu'il y a vraiment... Il en sait rien. Ça ne sert pas, je pense. Il est complètement taré. Il faut qu'il reprenne ses médocs. Ouais. Non, franchement, les gars. La vengeance, c'est le meilleur remède. T'es mort. Mike, du calme. Quoi? Sérieux? Vous allez tous me remercier quand vous serez devenus des stars sur Internet! Attends, quoi? Oh, ouais, parce que ce petit bijou va faire le buzz, vous allez voir! Non, franchement, on a de l'amour à sens unique. On a du sang. Putain, je crois qu'ils auront même pas assez de serveurs en Chine. Pour compter toutes les vues que vous allez faire. Tu sais même pas ce que tu dis, enfoiré! Jessica est morte, putain! Quoi? Entendu. Attends. Jessica est morte. Ouais, bah oui. Et tu vas payer pour ça, connard! Oui, lui, il voulait juste leur faire une blague. Il y a vraiment un tueur. Eh, les gars! Non, sérieusement, c'est ce débile, vous savez. La ferme! Chris! Mon pote! Je suis plus ton pote. Où est-ce qu'on va? Non, ça sonne comme... Où est-ce que vous m'emmenez? On t'enferme, mon pote. Quoi? Comme ça, tu feras pas d'autres conneries avant qu'on appelle les flics demain matin. Allez. Enfin quoi, j'ai rien fait du tout. La gueule? Un putain de meurtrier, voilà ce que t'es. J'ai vraiment rien fait. Mike, pitié, putain. Mike, s'il te plaît, écoute-moi, j'ai jamais touché à Jess. Attends. Putain. Non, tu l'as mérité. Tu l'as mérité. Mais t'es malade? Putain, je crois pas. Est-ce qu'au moins tu te rends compte de ce que t'as fait? Je suis un guérisseur! Putain! Moi, je réunis les gens! Pas comme vous, pauvre con! Ça suffit. De voir les choses comme tu veux les voir. Tu es... Ferme-la, putain! Tu es grand! Aïe. Putain, c'est pas de ma faute si vous avez aucun humour! Oh, pardon, je t'ai fait mal? Tu souffres? Tu souffres un petit peu? Michael, je suis désolé, mec. Tu sais pas à quel point je suis désolé. Désolé pour tout ce qui est arrivé à Jessica. Mais je te jure que je sais absolument rien de tout ça. Non, c'est pas... Attends. Quelque chose ne tombe pas rond. Si, quelque chose ne tombe pas rond. Merde, Mike, ça... Je sais pas, y a vraiment un truc qui cloche, là. Quoi, c'est une blague? J'ai vraiment du mal à concevoir comment il aurait pu faire quoi que ce soit contre Jess. J'ai vu ce qu'il a fait de mes propres yeux. Ça, c'est son sang! Vous êtes une bande de sales brutes! Vous pouvez pas partir. Vous pouvez pas me laisser crever ici. Hein? C'est pas comme si vous aviez le cran de le faire pour de vrai, de toute façon. Faut vraiment que tu la fermes, mec. Je veux dire, je sais même pas ce que tu peux dire, hein, parce que j'ai vraiment rien à regretter. Oh là là. Ok, on me ligote là, ok. Bouge pas, mec. Après, tu ont subi, tu oui. peux pas les attacher si ils gigotent comme ça. Josh, sérieux. Moi, tu me laisses de quoi bouger un peu quand même, hein. Mais quand est-ce que tu vas la fermer? Moi, j'y arrive, ok. Moi, j'y arrive, je peux. Je peux plus bouger. Dès que t'es en place. Putain, mais de quoi il parle, bordel? C'est dur à regarder. Il a déjà dit genre de conneries avant? Non, je l'ai jamais vu comme ça. Il devient fou. Oh, hey, Chris. Tu
Tu peux faire une croix sur les petites culottes d'Ashley après lui avoir fait le coup de « je vais t'en coller une entre les yeux ouais, ». Elle est bien mieux avec Mike ici, de toute façon. Au moins, Mike, lui, il sait comment on traite les femmes. Tu vois ce que je veux dire, tu vois, espèce de connard. Il faut pas leur tirer dans la tête. Je vais lui arracher la tête. Non, l'écoute pas. Laisse tomber. Hey, Mike. Mike. Quoi? Si on parlait de... de Jess, Mike. Putain. Là, tu prends le mauvais sujet. Tu sais ce qui s'est passé? Non. Non. C'est seulement que j'ai un problème, Mike. Je me souviens pas avoir tué Jess. Putain. Enfin, ce que je veux dire, c'est que... je le saurais si j'avais eu envie de la tuer. Elle est... si douce. Et j'imagine qu'elle doit être super bien foutue. Ferme ta putain de gueule! Attends. Frappez Josh ou désarmez Mike? Désarmez Mike! Désarme-le! Désarme Mike! Ah. Sérieusement? Quoi? Tu pensais vraiment que j'allais le tuer? Je sais pas. Mais enfin, Chris, tu me connais bien mieux que ça. Ouais, Chris, tu me connais bien mieux que ça, non? La prochaine fois, préviens-moi avant, d'accord? Ils sont trop mignons! Ils arrivent même pas à jouer aux flics correctement! Laissez faire les pros, les mecs! Tu devrais aller au chalet, pour t'assurer que tout va bien. Taré et moi, on reste là jusqu'à demain matin. Oh, c'est la fête. Eh, on commande des pizzas? T'es sûr que ça va? Ouais. Ils voudront savoir que tout va bien ici. Pas faux. À demain matin. Bon. Bon. Alors là... c'est la fin donc du chapitre... 7. Chapitre 7. On a découvert des choses. Mais... Des choses. Ouais. Alors là, sincèrement, on est vraiment... on est choqué, il n'y a pas d'autre mot. C'est dans notre tête, ça tourne en rond, on a plein d'hypothèses. Vous allez le voir par vous-même, par la suite. Ouais. On se demande surtout vraiment qui a tué Matt et Jess. On le découvrira donc dans les prochains chapitres. J'espère que ça vous aura plu et ouais. On se retrouve prochainement pour le chapitre 8. Allez, à plus les gens. Tous.